Hey, 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 salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du... D'accord. Uglito Beauty Legacy Challenge! Et on est accueillis... Ah, magnifique, par Heidi qui nous fait un bon vomito des familles qu'on avait remis enceinte suite à l'échec cuisant de la naissance d'un bébé unique. Joris! Voilà. Un petit bébé. Je vais juste regarder un truc. Est-ce qu'on peut voir par exemple. Ah, Heidi qu'il a les yeux marrons, on fera bien, hein. Un petit gars. De toute façon, ils se ressemblent tous, hein, donc on va pas se focaliser là-dessus. Gabriel, son boulot, il commence. Merde, c'est vrai que le chien, il est tout bleu. Mais le chien, il va claquer aussi, donc... Gabriel, va pisser, va manger. Ah! Oh! Et tu vas aller bosser. On a besoin que tu gagnes de l'argent pour que nous puissions... Oui, il est en train de crever, ce chien. Faut que nous puissions avoir des sous tout simplement. Hein. Alors j'ai toujours pas remis les cadres correctement, j'avoue. J'ai peut-être un peu eu la flemme. Entre-temps, j'ai eu d'autres choses aussi à faire, je pense. Avec tous les headplays que je fais. Mais bon. Alors, toi tu bouffes. C'est bien. Il va falloir quand même qu'on emmène le chien chez le véto. Comment il va Harold? Harold il va bien. Il va aller au pipi, il va aller à la douche. Bon, c'est pas dans le bon sens, mais on en est quand même au même endroit. Tu peux flatter ton mec. Ils sont enthousiasmés sur les centres d'intérêt, puisque il me semble que vous avez un centre d'intérêt. Parce que là, vous êtes l'un à côté de l'autre, vous parlez pas, c'est très bizarre. Ah ouais, c'est trop bien la vie. Voilà, il va aller taffer. Nous, on a gagné 20 simflouz grâce au livre. Ah, ça, c'est bien, ça. Bon, bah, tu pourras aller taffer. Ah oui, il y a Harold aussi, ce qui lui doit bosser aujourd'hui. Non, pas encore. Bon, bah, c'est bien, tant mieux, on a de quoi faire. Tu vas quand même réveiller Loki après que tu sois levé. Mais tu prends un bain... T'es chiant, Harold, t'avais une douche là-haut, hein. Ah, y a trois salles de bain dans la baraque. Quand même. Hop. Non mais, si t'as pas fini, je comprends, mais tu le ranges au frigo, quoi. Là, il y avait la petite salade aussi. Hop. On est bien. Elle va prendre sa petite douche. On va emmener Loki... chez le vétérinaire, juste après. Et voilà. On est chez le vétérinaire. Alors, on va pas se faire piquer la place. Un seul qui pour une maladie. Castration. Pauvre chien. Et ça, c'est quoi? C'est un chat? Ah oui, c'est un chat. C'est Guizou. Guizou le chat. Voilà. Au moins, je suis désolée, mais c'est la première fois qu'on va chez le véto pour lui, hein, sachant que je l'ai fait rajeunir aussi. Donc, Loki, viens. Pauvre chien. Le chien bleu. Ah bah lui, il a la même chose, dis donc. Lui aussi, il est tout bleu et il pue. T'es qui, toi? Erika Kobayashi, d'accord. Bon bah on va attendre le véto, hein, tranquille et mille. Hein. Restez près de la borne, d'accord. Oh pauvre chien. Va te réconforter un peu mon Loki parce que t'as faim mon pauvre. T'as faim. T'as peur. T'as faim. N'importe quoi. Allez, c'est bon. Parlez, hein. Bah non. Si, elle arrive. Vous bougez. Je vous préviens, si la rousse elle passe avant moi, je tape un scandale. Hein.
C'est bon, c'est notre tour. Allez, où? Alors, lui, il est parti bosser, au fait. C'est très bien. Le travail est dur. Alors, qu'est-ce qu'il a, mon petit Loki? Oula, ça, pas, ça donne pas envie. Hein. Pauvre chien. Ah bah, elle a fait pouette-pouette que... Ah, allez, on va faire le cône de la honte. On fait des économies. En attendant de gagner beaucoup d'argent, on va faire des économies. Ah, et donc c'est rapide chez les Sims. Avec le petit mouvement de main et hop, ton animal est guéri. Si seulement ça pouvait être aussi simple. Donc nous allons rentrer à la maison. Oh putain, lui il lui fait peur. Hein. Avec son cône. Allez, on rentre à la maison. Et nous voilà de retour à la maison. Et oui, et cette conne, elle avait pété la douche avant de partir. Donc tu vas pouvoir la réparer tout de suite. Toi, tu fais quoi? Il se parle à soi-même. C'est bon, toi t'as fait déjà ça. T'es où? Mais qu'est-ce que tu fous coincé derrière? Mais t'es con quoi? Oh non, mais franchement, là. Viens là. Est-ce qu'on peut le téléporter? Nye. Voilà. Ah non, parce que là, j'ai pas envie de faire tout le micmac machin. Alors, oui. Eh bien, Harold, tu vas t'occuper de ton neveu. Tu vas le nourrir au biberon et tu vas le bercer. Alors, et puis ta copine, où en est-elle? Non, c'est dans le... là-dedans. Je suis plus, moi. Pour l'instant, toujours rien. Lui, il a ses enfants. Nuck, tac. Ok. Ok. Mais là, oui, forcément, elle a toujours pas accouché. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce que tu fais? Non, tu ranges. Tu jettes, tu nettoies. Enfin bref, tu fais ta petite femme de ménage, s'il te plaît, Heidi. Alors que Harold est en train d'apprendre à s'occuper des petits-enfants, comme ça, quand ce sera les siens. Il sera un papa parfait. Oh oui, Kedanubu. Beau gosse. Donc, c'est très bien. Le chien, il a à bouffer, moi, qu'on lui mette à manger. Pauvre chien. Ouais, parce que j'ai pas voulu non plus mettre 750 balles. Alors que le machin, il va bientôt partir, quoi. Ah oh bah, il est content. Il joue. Ok, et eh ben Heidi, on va... Ouais, on va se balader. On va aller voir... On va y aller tout seul. Ça, Harold, il va garder le bébé. On va aller voir tes sœurs. Oh, et ben les voilà, les petits monstres. Oh là là, attendez. Que j'ai envie de voir ça de plus près. Oh là là, il a l'air beau, lui! Il a l'air super beau, super cute. Et l'autre? Gna gna, déjà, si je vais pas dans le bon sens. Comment t'en fais, hein? Voilà, peut-être que j'arrive à voir si j'avance. Lui, il a plus la tête d'Heidi. Alors, l'autre... d'Heidi. Oui, Heidi, et puis Frida, hein, on va pas... Il est trop mignon. Je préfère peut-être l'autre, moi, perso. J'ai peut-être une préférence pour le petit gars, là. Lui, avec ses cheveux longs. Aïe, 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 aïe. Beau gosse. Ah, beau gosse. C'est lequel, celui-là? C'est Samuel. Et l'autre, c'est Eric. Ok. Et lui, c'est qui? C'est Théo Bonnerdy. D'accord. Et voilà les neveux. Trop mignon. Ah oui, c'est vrai, ça fait partie de son aspiration, c'est cool. Il se présente juste à des bambins, mais comme ça on les aura tous là-dedans. Et on pourra les appeler et voir un peu l'évolution, ce que donnent les mélanges avec tous les frères et sœurs, quoi. C'est trop chou. Ah
Alors, hein, t'as vu Heidi? C'est ça un enfant? Enfin, des jumeaux, hein. Parce que toi, t'es pas foutu d'en faire, donc. On préfère te les montrer. Et la maison, c'est ça. Bah, tranquille, Emile, hein, Frida, ça va. On va frapper à la porte. Pour l'instant, c'est vide. Ils sont dans la piscine, les gens! Tranquille. Ah oui, c'est vrai que c'est vachement beau le carrelage comme ça. Et les petits machins, ils sont pas venus avec elle? Ils vont se faire kidnapper. Ah mais non, elle est là, Frida! Mais what the fuck, qu'est-ce que tu fous là, meuf? Tiens, viens partager la grande nouvelle avec ta sœur, illuminer la journée. Exprimer son admiration. Coucou! Salut, ça va? T'as l'air heureuse de vivre là avec tes gosses, hein? Vraiment, quand tu veux, Heidi. Voilà. Bon, arrêtez de me vous mettre dans tous les sens. Il fait le con. Et elle va rien lui dire. L'éducation, Frida. Éducation. Il fait les comptes juste devant toi. Oh, la tête de démon que ça lui fait. Ah bah il est là le mari. Il en peut plus là, il est dans tous ses états. Bon, ils ont gardé le nom de Ugly. Comme ça au moins. Le fameux Théo. Ils ont retrouvé un petit peu le teint hâlé comme avait un peu Lorelai, qui était leur arrière-grand-mère. Il fait des conneries. Frida, tu peux les engueuler quand même. C'est bientôt l'anniversaire de Joris. Ok, c'est très bien. Ah mon dieu! Il grandit sous nos yeux! Ébahi. Oh la vache! Ils sont tristes parce qu'ils n'ont pas eu d'anniversaire. Les yeux magnifiques quand même. Ah, ils sont où ceux-là? Oh, tu es un joli garçon. Bah, l'autre, il est triste aussi. Oh, ils sont mignons tout pleins. Oh là là, ça donnerait presque envie de les adopter. Allez, moi je vais les adopter. Illuminer la journée. Et réconforter. Essayer de réconforter. Essayer de réconforter. Oh, les enfants, ils n'ont pas eu d'anniversaire. Franchement, Frida, tu es une salope. Même pas tu éduques tes enfants correctement. Ben ça, ils ont de la famille, ils ont des oncles, grands-pères et machin, tout le bordel. Mais c'est pas grave, mon petit. Et ça y est, ça recontinue. Ah, mettre de la peinture partout. Et lui, il nettoie derrière, c'est logique. Ils sont choux quand même, hein. Mais c'est qui celle-là? Lola. Ah bah oui, bah d'accord, il y a toute la maison. Bah ça, il y a du monde, c'est une grande maison en tout cas. Trop chou! Et juste un petit coup de voir la maison. Ah bah! Je comprends pourquoi ils restent dehors, la maison est complètement vide. Mais comment ils font pour dormir? Ils dorment où? Par terre? Il n'y a même pas de buisson! Garance, oui, on va venir te voir aussi, Garance, il est 17h. Ah ouais, il n'y a même pas de toilette, du coup, elle peut pas aller aux chiottes. Bah, il y a une cave par contre. Il n'y a pas forcément une toilette, mais il y a une cave, on est d'accord. Bah, maintenant elle nettoie. Bon, bah c'était sympa, hein, de vous avoir vu. Le petit couple avec leurs enfants, c'est trop chou. Et puis on va du coup bouger et on va aller voir. Comment elle s'appelle? Eh ben, Garance. Voilà, allez, je continue avec sa peinture. Franchement, ça va pas du tout. Hop, on y va. Eh bien, on y est. Alors, j'ai beaucoup de mal à trouver, hein. J'avoue que. Vraiment, j'ai du mal à trouver la maison parce que je ne savais plus où ils étaient. Donc ils sont en fait dans Oasis Spring. Mais attendez. Ah ouais, ils habitent en face. C'était notre maison, ça. Je dis pas de conneries parce que je l'avais bien rénovée. Oui, avec le truc derrière. Ah bah ça va, Garance, elle est revenue sur les traces de sa mère. Oui, parce que elles ont pas vécu ici. Bon, on va rentrer dans la baraque de Garance. Ah, il y a un truc pour chien.
C'est moi qui avais fait ça? Je me souviens pas. Est-ce que la maison... Ah, la maison est meublée! J'avais dû peut-être la refaire. Là, franchement, je sais pas. On va donc faire connaissance avec Marc, amusante, et la petite Hélène. Super! Peut-être qu'ils vont grandir aussi sous nos yeux, il y a de fortes chances puisque je les avais rendues enceintes quasiment en même temps. Ouais, Laura a l'air complètement ravie de la visite. Ouais, j'ai l'impression que j'avais... Oh! Il y a eu un mort. Maxime Garcia. Bah, c'est super d'avoir une urne dans le salon comme ça. C'est... Il me semble que j'avais relooké. C'est possible, hein, j'aime bien des fois relooker juste des baraques, juste pour le plaisir comme ça, sans, même sans jouer et tout. C'est... Bah, je sais pas, parce que, y a le tapis là comme ça. Ouais, je sais pas ce que j'ai foutu. Toi, t'as besoin d'aller au WC de malade. Hein. Organiser trois fêtes, organiser trois... Ah, bah, d'accord. Tu vas aller aux toilettes. Vite. Avant que tu te fasses dessus. Par contre, c'est vrai qu'il n'y a qu'un seul lit pour deux enfants. Bon, il y a quand même un canapé, donc ça va, il y a quand même de la place pour que tout le monde puisse dormir quelque part. Yes! Gabriel a eu une promotion forçat du code. Ouais, ça c'est cool. On va vraiment gagner des sous grâce à lui. Allez, va aux toilettes, ma belle. Fais connaissance, on va regarder d'un peu plus près les enfants. Ah, ils sont en train de manger en plus. C'est parfait. Alors, je crois qu'il y en a un qui a les yeux verts, comme Laura. Et pas Garance, parce que Garance, elle avait les yeux bleu-vert. Lève la tête! Oh, il est mignon! Il est mignon, chou! Et la fille? Ah, c'est trop cool d'avoir garçon et fille, hein, franchement. Vas-y, cocotte. Attendez, je vais faire un truc. Ça s'appelle faire comme ça. Hop! Elle a les yeux de sa mère. Enfin, sa mère, elles ont deux mères. Mais la couleur des yeux. Je suis pas sûre qu'Hélène soit très jolie. Ah, voilà, elles se sont fait un bisou, j'ai entendu. C'est trop chou. C'est bien de les voir dans leur vie, finalement, avec leurs enfants et tout. C'est trop mignon. Vous voulez pas grandir, les petits? Yubs. Il est mignon le petit, je suis sûre qu'il va en faire tourner des cœurs. Hein. Ou des têtes, je sais pas trop. Pardon, je suis perdue. Elle est là. Elle est là. Elle regarde la télé. Ah, lui, une petite histoire, mais c'est une vraie maman aussi, Laura. Hein. C'est chou. Bref, ça fait plaisir. Pour l'instant, on n'a pas encore... sauf... bon, il est 20h. Peut-être que les enfants de Igor ne sont pas encore bambins. Deux garçons. Ok. Ouais, pour l'instant. On n'est que là et c'est très bien. Tu t'es remonté tes besoins, ma petite. T'as encore faim. Ah, t'as bouffé, il me semble. Hein. Tu vas quand même illuminer la journée de la petite. Et puis on arrivera, on fera. On les appellera et on suivra l'évolution. Des petits blonds! Pour l'instant, c'est full power garçon. Je lui ferai peut-être lui faire bouffer des fraises, non? À Heidi, comme ça. J'ai pas de fraises. Youpi, j'ai pas de fraises. Pour qu'on puisse avoir des filles, cette fois-ci. Ça, c'est des fraises? Non, puis ils sont de sauge, crotte. Moi, je veux juste des fraises. Je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup dans le coin. Ils sont de sauge. Ah, mais il y a de la sauge! Tac. C'est juste. Notre ancienne maison. Non, il n'y a personne. Après, j'ai l'impression que ma vie, elle est assez vide. Alors, si vous voulez que je... Ah, il y a des fraises.
Si vous voulez que j'installe des foyers que vous avez créés, alors mettez la blinde d'enfants et de bambins et tout pour qu'ils puissent éventuellement devenir les maris et femmes des enfants d'Heidi. Et vous partagez sous le hashtag Ugly Family. Et je regarderai ça et j'installerai un peu tout le monde dans les maisons. Et j'espère que vous verrez vos Sims. Youpi, elle a récupéré les fraises. Tu vas manger tes fraises, tu vas manger tes fraises. Ouais. Et on va rentrer à la baraque aussi, puisque... non, c'est pas ce que je voulais faire. On va rentrer à la maison, parce qu'il commence à être vachement l'heure. Oula, il se passe des trucs ici. Bon, les petits, ils auront pas grandi pendant qu'on était là. Yop. On est rentré. Tu vas remanger une fraise. Il n'y a pas de raison. Comment ils vont, tout le monde? Il y en a un qui dort. Non, je suis pas d'accord, Gabriel. Tu viens tout de suite. Tu bosses, s'il te plaît. Jouer à ma Sims. Qu'est-ce qu'il a, le chien? Il m'a fait un truc bizarre, non? Ou c'est moi? Harold. Harold, il va très bien. Est-ce que 22h, ouais, ta copine, elle va pas vouloir venir, je pense. Tu peux toujours l'appeler. Ouh là là. Tu fais peur, on dirait que tu imites un fantôme. Mais je t'aime quand même, Harold. Non, t'inquiète. Tac, tac, toi. Toi, bah ça va. Tu sais quoi? Ah si, elle va quand même venir. C'est cool. Tu vas me manger une fraise. Voilà, ça, on est sûr d'avoir des petites fifilles. Tu accouches quand? Alors déjà, t'es encore sous l'effet de ton bébé. C'est vrai qu'on les a un peu enchaînés. Deuxième trimestre dans 9 heures. C'est-à-dire qu'elle est qu'à son premier trimestre? Ben, elle va en faire combien? Ah! Comment allez-vous, mademoiselle? Vous êtes bien enceinte, à ce que je vois. Encore un concours de bidon, nous avons. À ma droite, Louise. À ma gauche, Heidi. Et tu vas l'enlacer. Et puis alors elle doit, comme elle aime pas les enfants, ça doit être magnifique. Parce que elle doit pas être bien. J'ai trop hâte de voir leur bouille aussi à ceux-là. Oh, c'est trop bien. La journée. Pimenté. Oh ma chérie, tu es magnifique avec ce ventre si rebondi. Ah franchement, cette génération de Glee, elle aura tous, tout le monde aura trouvé bonheur, tout le monde aura trouvé, aura eu une descendance. Ça fait plaisir. Moi, ça me frustre toujours quand je vois que les Sims meurent. Enfin voilà, ils ont vécu longtemps, sauf qu'ils ont vécu seuls quoi. Et je trouve ça vraiment tristouille. Ouais bon, c'est comme ça, c'est les Sims. Mais va faire ta life, toi. Va pisser, tiens. Si t'as pas besoin, laisse les amoureux tranquilles un petit peu. Demander à toucher le bébé. Oui! Est-ce que j'aimerais bien voir ça? Ça le vaut le play. Oh, Nubu! Ouais! Trop mignon. Supprimer tout ça, oui. Excusez-moi, c'est des petits aléas du direct. Ah, c'est cool. Que demander à date prévue d'accouchement. Tu accouches quand tu vas accoucher là. Elle doit être à son deuxième trimestre, je pense. On devrait avoir la petite notif. J'accouche dans tant de temps. Ah, ils viennent seulement de devenir bons amis. Ah, bah, la vache. Ils ont quand même. Ils sont déjà quand même fiancés, ils vont avoir un enfant ensemble. Oh, mais tu dois pisser. Mais vas-y, Harold! T'es bête aussi, toi! Ah! J'avais pas vu que Joris, il était pas bien. Bon, Joris, il devrait grandir dans pas très longtemps, là. Savoir s'il est brun. Enfin, châtain ou roux. Et savoir s'il a les yeux bleu-vert ou violet. J'ai hâte. J'ai très très hâte de voir ça.
Heidi a tenté d'aller se coucher, mais bien sûr, on a le petit Joris qui se réveille en disant « Eh non, tu vas pas dormir !» Voilà, avec oui, ce même rire sadique. Puisque tous les enfants, tous les bébés, vous le savez, sont des sadiques. Harold, lui, répare les chiottes parce qu'il les a cassées. Et tu sais ce que tu vas faire après? Tu vas embrasser les mains de ta femme, enfin de ta future femme. Tu vas inviter à rester dormir, déjà, comme ça, elle va pas se barrer. Et vous allez faire des crac-crac. Oh, Harold ne peut pas faire ça tant pendant que Louise est enceinte. Ah bah, c'est dommage, ça! Puisque le lit, il est déjà pris. Il va grave, hein. C'est marrant, ça fait la musique d'un événement social, alors que c'est pas le cas. Ils peuvent pas faire crac-crac. Oh, la frustration. Exprimer son affection. Ouais, voilà. Vous pouvez faire toujours des câlins, des mamours. Hein. On dirait juste qu'elle a peur que son enfant y tombe pendant qu'ils font crac-crac. Et puis voilà. Hein. C'est dommage, ça. Je suis déçue. Faudrait que j'installe éventuellement un placard. Plutôt à l'étage. On pourrait foutre un petit placard quelque part. On pourrait. Mais est-ce que je vais le faire? J'ai toujours pas remis le papier peint. Hein. Je suis au courant. Vous inquiétez pas là-dessus. Je le sais, mais voilà, c'est la petite spécificité de la maison et je ne le ferai donc pas. Alors lui, je me suis gourée, je lui ai demandé de faire des jeux vidéo. Mais en fait, c'est la programmation qu'il devait faire. Donc dès qu'il aura fini de faire sa tâche, il ira dodoter Harold. Bon, tu vas manger, Harold. Voilà. Fais-toi plaisir un peu. Ah, t'avais un truc sur toi qui était même pas périmé. C'est Cybelle qui l'a fait! Oh! Cybelle, elle est morte maintenant, depuis longtemps déjà. Enfin, depuis longtemps. Bah, ça fait. Ça passe vite en même temps hein, dans les Sims. Il a pété l'ordi. Et c'est pas possible! Tu vas me le réparer? Ah non, 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 mais oh, c'est bon. 75%, tu crois où? Allez, Gabriel. On répare. Des ordis qui nous ont été gracieusement offerts. Quand c'était Lorelai et Gunther dans leur carrière d'écrivain. T'imaginais un peu le délire que ça fait longtemps qu'on les a. Tu peux jeter ça en même temps, tu feras le ménage. Et après, tu iras dormir. D'ailleurs, ta chérie, elle est dormie où? Ah, bah, elle dort dans le lit à côté. Mais c'est mignon! Ils seront pas ensemble, mais ensemble. Alors, je pourrais me dire, oui, bah, je pourrais mettre un lit de place. Oui, mais non. Non. Il n'y a pas assez de place, peut-être dans une future maison, dans le futur lointain. Toi, tu dors pas, tu reviens faire de la programmation, ne te fous pas de ma gueule. Dans une prochaine... Ah oh, bah elle s'est levée pour dégueuler, d'accord. Prochaine maison, prochaine génération, peut-être aurons-nous beaucoup plus d'argent et donc des moyens pour faire tout ça. Une grande baraque. Peut-être, hein, si on revend tout, qu'on emménage ailleurs. Loki a faim. Mais il y a déjà sa gamelle de... Voilà, il a plus son cône. Ben voilà. C'est l'anniversaire de Joyce. Très bien. Et bien peut-être que ce sera donc... Ah oui, il est 4h du mat. Heidi est paresseuse. Ah oui, bah elle va pas aimer faire le ménage. Je suis d'accord. Qui aime faire le ménage? Oh, il y en a. Il y en a. C'est pas ce que je voulais faire, c'était ça. Il y en a qui aiment ça. Je ne fais pas spécialement partie. Toi, tu vas arrêter et tu vas aller dormir tout de suite. Lui, il est parti dormir. Bref, tout le monde est parti dormir. Va dormir, Gabriel. Qu'est-ce que tu me fais? Tu me casses les pieds. Et la suite des aventures de la famille Ugly New Generation sera donc pour le prochain épisode. Et puis moi, je vais vous laisser là-dessus. Donc, vous voyez, le matin se lève. Le matin est là. Si vous savez... À quoi ça fait référence? N'hésitez pas à me mettre dans le commentaire. Je vous embrasserai fort et je vous dis donc à très bientôt pour la suite du Ugly Tubudati Legacy Challenge. Allez, salut !